Alors, il manque 3 minutes. Pardon, je fais des manips en même temps. Il manque 3 minutes d'enregistrement entre la vidéo précédente et celle-ci. En fait, j'ai eu un bug d'affichage dans le jeu et je m'en suis rendu compte que le bug s'était aggravé en lisant le courrier, là, les arcanes restaurées. En fait, au lieu d'avoir un joli fond, un joli arrière-plan à la lecture, j'avais un fond anormalement noir, hein, donc un problème de texture. Ce qui fait que le temps de tout relancer, voilà. On continue l'aventure, et là on est dans la baraque qui sent mauvais, où il y a des bruits bizarres d'animaux. On va mener l'enquête. Non, c'était Nouvelle Pierre du Destin, c'est ça que je disais, pardon. Avec le courrier officiel du royaume. Alors, Tisplume prépare un nouveau cycle de Pierre du Destin. Les Pierres du Destin ne sont pas magiques, déclare le célèbre écrivain argonien. L'auteur de Le Gobelin au bras d'or et de Cratère Rouge prépare une série de travaux historiques racontant l'histoire des premiers empereurs Remans. Les récits se concentreront sur les sorciers et les mages de guerre qui jouent un rôle si important dans l'ascension rapide des empereurs Remans au pouvoir à la fin de l'ère deuxième. Elle a prévu d'appeler cette série Les Voies des Pierres du Destin. L'écrivain argonien a refusé de parler des personnages et des thèmes abordés dans ses livres. Quoi qu'il en soit, il est clair que Tisplume a des projets ambitieux pour cette série, étant donné qu'elle a prévu de consacrer un titre à chacune des 21 pierres du destin de Cyrodiil. Ces anciens monuments sont éparpillés dans tout Cyrodiil et chacune a un nom spécifique. Je fais toujours beaucoup de recherches pour mes livres, déclare Tisplume, et je n'ai pas trouvé d'éléments permettant de penser que ces pierres runiques étaient autrefois des artefacts très puissants, comme on le pense en général. Elle ajoute que 13 de ces pierres étaient associées aux signes utilisés depuis toujours pour marquer des aspects des cieux à la naissance des enfants. La pierre du mage et la pierre du serpent étaient certainement associées au culte primitif des bêtes de l'ère mythique. D'autres pierres, comme la pierre d'Atatérius et la pierre de Maenus, étaient sans conteste associées à d'autres cultes très anciens. À la question de savoir pourquoi elle avait décidé d'abandonner les récits de voleurs, dehors la loi de meurtriers et de voyous qui l'avaient rendu si célèbre à Cyrodiil et dans le reste de l'Empire, Tisplume répond qu'elle cherchait depuis longtemps à utiliser des thèmes épiques et plus évolués afin de célébrer la noblesse de Cyrodiil et de l'Empire. Elle ajoute que l'on retrouverait dans sa série des Pierres du Destin les personnages hauts en couleur, si chers aux lecteurs. Mais cette fois, mes personnages vont déraciner des arbres, dévaster des villes et invoquer des pluies de sang avant de partir explorer les mystères infinis du cœur. Ah ben on se sent moins sale avec tout ça. Oh, mais elle n'a pas le bâton de Sugarat, elle. Je peux vous aider si vous le souhaitez. Alors, ce bâton Edric, c'est celui de Sugarat, non? Bon, et moi là-dedans.
Donc les galopins se tiennent à carreau. Et le bâton. B. Alors, le guide des mages. Le guide des mages, le guide des mages. Ah là là, mon pauvre. Des rumeurs? Ah là 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 là, qu'il est terrible. Des rumeurs? Oh là là, c'est moche. C'est muche. Oui, je le ferai volontiers. Ouais. Comment vous l'avez-vous su? Pauvre Zentia. Et la question, ouais, c'est est-ce qu'on peut les renvoyer dans un plan d'Oblivion, leur plan d'origine? Mais le bâton, comment on pourrait en faire de la sorte qu'elle s'en débarrasse?
Me fait pas rire, me fait pas rire. Des rumeurs? Ouais. Ah, tu proposes quoi à la vente? Sort. Ce serait très vilain. Ouais, bon, on va voir comment on peut la dépêtrer. Je dis bien qu'on s'était bien croisés, mais je suis surpris que tu viennes ici à la guide de démarche, tu viens te ravitailler. Des rumeurs? Ah là 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 là. À bientôt. Si, si, je suis bien là. Donc pour les galopins, je sais. Alors ça, c'est un autre problème qui n'est plus le mien. Mais avec un bon alchimiste, je pense que ça peut s'arranger. Par contre, le bâton, la donne est différente. Mais oui, moi je suis prêt pour l'aventure. Je prends ton bâton. Oh, tu fais pas souci pour moi, va. Ah. Eh oui, mais c'est le bâton. À plus. Allez les petits. Allez. On me suit les petits. Oh, on va à l'école? C'est l'heure. Tout le monde a pris ses petits cartables? Oh, c'est Mimi. Ah là 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 là. Oh, mais c'est tout proche. Je m'attendais à me faire une bonne petite trotte, mais même pas. C'est la porte d'à côté. La bonne blague. Ridicule. Ah là 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 là.
Et il pleut comme vache qui pisse. La 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 la. Chercher la porte la plus proche, mais là... Là, je suis déception. Ils me suivent, Bizarre. You. Ah. Suivez-moi. Pour aller mieux, tant de chiottes, à part ça, des rumeurs. Ah! Elle est bonne. Ouais, Dieu. Je suis arrivé à la grotte de Brasse Noire, je vais entrer les apparaisons. Ils sont nuls les lutins, ils me suivent pas. Ah, quand même. Et a pas y pa you, y a pa. Oula. Y a pa y pa you, ya. Merci pour la recharge, en magie. Mais c'est un portail d'entrée de l'Oblivion ou je me trompe? Où est-ce que je dois mettre la... Oh, mais... Je sens que cette grotte va pas me plaire. Je sens que je vais m'énerver. Alors
Et merde. Ils sont d'un chiant. Dommage, ça avait très bien commencé le combat. J'avais un parfait enchaînement là, j'étais. Ah, c'est dommage. Il se paye de ma tête, il refait pas ma magie, l'autre. J'avais fait un enchaînement magnifique et là je merde tout. Je cherchais à comprendre le comment du pourquoi. Pali 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 papam poupoum pali 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 pili 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 pou pili pili pipou pep pili 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 pepou pili pili pili.
C'est pas ça que je voulais faire. Et voilà. Oh, une perle parfaite. Ça fait plaisir. Ah, mes copains. Une cuillère en étant, oui, bien sûr. Ah, non? Bah, je pensais qu'il y aurait quelqu'un. Ah, quand même. Ah, je suis de la merde. Je fais de la merde. C'est ça qui marche. Ah, là, je sais pas. Bon bah finalement. C'est tellement bien foutu que je peux pas passer. Ah, merci. Je sens qu'ils vont m'énerver.
va, c'est la pièce du début. Alors, je suis arrivé au sanctuaire de Shogorath, il faut que je trouve l'autel et que je place le bâton à côté. Je ne ressens plus le besoin de m'emparer du bâton du grand galopin. Oui, bah c'est bien. Ah, j'étais pas loin d'y arriver. Ah merde. Oui, d'accord, mais... Attends. Et toi déjà je te bute. Voilà, comme ça t'éviteras de me les casser. Ça m'arrange. Alors. Ah, je vous ordonne de m'écouter. Oh, les vilains. Oh, grand Shogorath, toi le grand Maboule de service, est-ce que tu peux accepter, reprendre, dédaigner, reprendre ton artefact à la con? Entre nous. Merde, je viens de me voler dans la vasque. Ah oh là là. Il y a une drôle de tronche, Shogorath, ici. Non, mais vraiment. Il n'y a pas d'interrupteur là où je pense? Non. Ah, ils sont contents les... Ah, que faire, que dire? Je suis arrivé au sanctuaire de Shogorath, il faut que je trouve l'autel et que je place le bâton à côté. Qu'est-ce qu'ils appellent à côté? Oui, c'est là. Laisse-moi deviner, il y a une touche pour abandonner l'objet. Non. Non. Oui, je peux faire ça aussi. Oui, je peux aussi faire ça si je veux.
Est-ce qu'il y a une touche pour lâcher l'objet? Mais ah, c'est le lancer un sort, pas lancer un objet. Ah oui. Ah oui, c'est ça. Dans la bonne chevrotte. Il y a un truc qui m'échappe, c'est pas possible, non? Il y a un truc qui m'échappe, je comprends pas. Il n'y avait pas d'emplacement physique prévu. En fait, faut penser à prendre la dépouille d'un ennemi et lui foutre dans son inventaire le bâton. Donc c'est la Tronaque de Feu qui est gardien du bâton maintenant. Oh là 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 là. Le temps qu'il m'a fallu pour capter. J'ai placé le bâton près de l'hôtel dans le sanctuaire de Shograt. Les galopins ont l'air ravis de leur nouvelle maison et surtout, ils ont arrêté de me suivre. Il faut que je retourne en informer Rosentia. Eh ben, dis donc. Ah. Oh.
Ah oui, ils sont près de la statue de Shograt, ils sont chez eux. Ah, le bonheur. Et je me barre d'ici, vive la vie. Oui, mission accomplie. Salutations, salut à vous. Tiens d'ailleurs, attends, je vais aller voir. Puis j'irai voir le compte après pour voir si je peux acheter la maison. Attends, mais je suis pas là où il faut être, moi. Ah oui, une envie folle de sauter de joie. Je suis en joie. Merde, c'est pas le bon endroit, oui, non, attends. Par contre, je veux bien aller dormir, je vais aller à la cave. Oh, moi, je vais aller me pioter dans la cave. Hein. Faites ce qui vous chante. Il y a un lit à la cave, il me convient très bien. Moi, je fais dodo. Oh, oui, 9 h. Méritez un bon gros repos. J'espère qu'il n'y aura pas de pluie à mon réveil. Oui, je voulais lui dire. Mais j'avais besoin de passer la nuit ici et puis le temps était. Et puis j'avais pas l'air de m'kikiner en pleine soirée. Bref, elle est où notre copine? Et il pleut toujours autant, je finis par en avoir un. Bon. Jusqu'aux dents, ouais. De l'eau de pluie. Boing. 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 Ah ah. C'est saut de cabri. Bon, elle est où notre copine? Tiens, je t'attends dans ton salon. Ah bah t'es là! Mais qu'est-ce que tu fais les 100 pas? Qu'est-ce que tu lui prends? Bah alors? Où est-elle? T'es monté à l'étage? Ah oui, apparemment. Ouais, j'ai réussi, ma grande. Oui, j'ai tout remis dans la grotte d'origine. Les galopins, ils sont près de l'hôtel de Shograt. Vaut mieux pas avoir réponse à cette question. Tu vas faire des cauchemars la nuit, à mon avis. Et le bâton est
dans la dépouille d'un atronach de feu qui repose au pied de la statue de Shogorath, ma grande. Ah, merci. Je sais pas ce qu'il vaut, mais merci du geste. Et la ville, t'en penses quoi? Oui. Oh bah. Tu as raison. Bien dit. Je suis intrigué par le cadeau qu'elle m'a fait. Ah, du bord d'Aiden. Parade et lame. Ah, je vais le garder précieusement. Merci bien. C'est agréable. En dehors de ça, j'ai des choses à vendre, moi, en ville ou pas? Pas vraiment. Je m'interroge à savoir si je peux acheter la propriété en ville. Il faut que j'aille voir monsieur le comte, s'il dédaigne m'accorder une audience. Aïe 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 aïe. Oh fichtre, ça en fait des choses, ça en fait. Oh là là. Je vais aller voir le Monsieur le Baronnet. Zip 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 zip. Je veux acheter une maison. Je veux acheter une maison. Hop là. On parle pas. Hop là. Voilà. Merveilleuse, merveilleuse. Bah, il y a ma collègue chevalier qui est partie les courser. Donc moi, je mène des affaires diverses dans le coin. Hein, on va dire ça comme ça. J'aimerais acheter une maison. C'est trop aimable. Je m'en fous que ce soit vieillot. Bon, ben, je l'achète pour 4000 pièces d'or, d'accord? Merci. C'est cool. J'en suis ravi. Merci, monsieur le comte. Oui, j'ai une nouvelle maison. Je vais devenir propriétaire terrien. Aïe. Je vais aller voir mes meilleures marchandises pour avoir du mobilier. Comme j'aime en avoir. Enfin, si je le trouve. Il est où, cet idiot? Attends, je saute comme un dératé, mais je le... Attends. Là, je suis dans la zone résidentielle. Ah bah, c'est lui, bonne marchandise, non? Oui. Ah, je vais mettre mon habit de...
de lumière, soirée disco. Voilà. Alors, j'aimerais acheter un aménagement de maison. Une bibliothèque, un bureau, une chambre, une cuisine, une réserve, une salle à manger et des teintures. Waouh, j'avais pas vu le prix! Mais j'avais pas vu le prix! Mais il est fou! C'est trois fois plus cher que dans une autre ville! Mais ça va pas, non! J'ai pas les moyens d'acheter la réserve là! Mais il est fou lui! Où est-ce qu'il a vu des prix pareils? On n'est pas à Paris! Mais non, mais il n'est pas sérieux. J'ai envie de me séparer de rien, moi, et oh. Les prix qu'il fait. Ah, il m'a brisé dans mon enthousiasme. Mais complètement. Je suis dépité. Des rumeurs? Mais c'est résolu. Au revoir, on a été fait chevalier, je comprends pas. Mais où est-ce qu'il a vu des prix pareils, lui? Non, mais il est fou. Oui, elle est vierge de tout, ma maison, en fait. C'est ça mon souci. Maintenant que je suis dans ma nouvelle maison de Leia Wynn, il faut peut-être que j'aille voir Gundalas au magasin meilleure marchandise afin d'acheter de quoi la meubler. Oui, mais ce serait cool, mais. Ah, j'ai mon lit. J'ai une table, une chaise, c'est déjà ça. C'est un début. Voilà. Alors, ici, il y aura la cuisine, là, il y aura la penderie, là, il y aura le labo de chimie. Pour faire des projets dans la vie. Oh mon Dieu. Aïe, 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 aïe. Oh, il est fou, lui. Putain, le prix qu'il mettait. Barge, le gars. Bref, je fais quoi avec. Ah! Le comte avait dit qu'il offrait une belle prime pour chaque arc noir récupéré. Si je faisais une. Je sais pas. Je sais pas. La 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 la.
Télèpe. Ouais, que j'aille à Télèpe, pourquoi pas. Ouais, on va voir. On va voir. Ça bosse dur, ça bosse dur. Alors, je vais aller chercher les arcs noirs. Tiens. Ah la vache! Je me voyais même plus en fait. Je suis devenu translucide. D'accord. Je comprenais plus. Capture d'âme, ça peut être drôle. Ben voilà, bien joué. Face de chat! Non! Ah, ce nom! Des rumeurs à tabac? Merci, à plus. Merci du coup de main d'ailleurs, ma grande. Tu m'aurais été fort utile. Merci, merci. Non mais le temps est horrible là. Je me pose la question. Non, je peux pas.
Oh, j'aime bien un petit repos. C'est du bien. Avez du bien. Oui, l'autre qui était mort, il était là. Voilà, lui aussi, il a son arc noir. Ouais, je vais bientôt nettoyer. Ah bah c'est cool. Oh, cette pose. Oh là là. On dirait une pose de magazine sexy là. Roxy Harry. Elle s'est trompée de nom. Ça aurait dû être Sexy Harry. Ah, Monsieur le comte va me devoir du fric. Où qu'il est? Où qu'il est, où qu'il est, où qu'il est? J'en ai pour une fortune en... Oh, pardon. Plus tard pour les potions, mon garçon, j'en reviendrai. J'en reviendrai, promis. Boing, boing. Attends, je me déplace comme le marsupilami. Ah oui, j'en oubliais que j'étais transparent. Translucide, là. Ah, je vais être poli envers Monsieur le Comte et je vais remettre des habits classe conventionnels. Tadam! Ah, magie du démon, j'apparais. Bayoul! Pépalé, pépalé, péla, pépalé, pépalé, pala. Oh là là. Évidemment, je serais vilain, je visiterai l'étage supérieur, mais c'est les appartements privés de Monsieur le Comte. Bah, j'ai amené beaucoup d'arcs. Ah oui, mais je t'en donne autant que tu veux. Mais parfaitement. Ah oui. Oui. Ah, ah, je suis le meilleur. Des rumeurs. Tiens, d'ailleurs, je suis toujours pas allé voir la nouvelle guilde là qui me rappelle un peu les codes de la Camorra Tong en Morrowind. Pour ceux qui connaissent, bonjour messire le comte.
Non, mais je bosse pour la Scuderia, vu le blason. Bon, c'est pas un cheval noir, mais ça reste un cheval cabré. Alors, suite au prochain épisode. Eh oui, c'est ça qui est moche. Moi,